محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. شير فرير شير سير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir quelle est la relation entre tout musulman et chaque musulman de façon individuelle, quelle est sa relation avec le messager de Dieu une fois que nous savons que le prophète est déjà décédé et qu'il n'est plus physiquement parmi nous. S'il était vivant, il n'y a aucun problème. Le messager de Dieu est l'ambassadeur de Dieu parmi nous et il est celui qui nous informe de la volonté de Dieu et c'est lui qui est notre recours quand nous avons des problèmes. Après que le messager de Dieu maintenant soit parti, disons, est transféré de ce monde matériel vers le monde spirituel, est-ce qu'il reste un lien entre lui et nous? Cette question, inshallah ta'ala, nous verrons que les tendances entre les deux écoles ont eu une divergence. Chez les chiites, c'est naturel. Le prophète est bien sûr décédé, mais le décès ne veut pas dire anéantissement ni disparition. Décès veut dire qu'il a quitté ce monde et qu'il a gravi une nouvelle dimension, mais qu'il n'y a pas de rupture entre lui et nous. Chez certains ulémas sunnites, c'est le contraire. Quand tu dis le messager de Dieu, on te dit qu'il est utile à toi tant qu'il est vivant. Après sa mort, ce n'est que de la poussière. Dans sa tombe, il n'y a que ses os qui sont là-bas et ses os ne te serviront d'aucune utilité. Aujourd'hui, vu que les chiites n'ont aucun problème, nous n'avons rien à voir avec eux. Nous voudrions examiner dans les hadiths authentiques tirés du monde sunnite quelle est la relation entre le messager de Dieu et les croyants après le décès du messager de Dieu. D'abord, le messager nous avait dit avant de mourir, il dit « Quand je vais mourir, ne me considérez pas comme un sac suspendu sur vos murs. » Un parabole qui veut dire qu'il y avait une coutume auparavant quand on avait un vieux sac qui était très fatigué et usé et qu'on n'utilisait plus, on le suspendait sur un mur à côté de la maison et on l'oubliait de façon totale vu qu'on avait un nouveau sac. Le messager de Dieu nous avait mis en garde de le considérer comme ça après son décès. Il avait dit « Ija'alouni, placez-moi, mon Muhammad, au début de vos paroles, au milieu de vos paroles et à la fin de vos paroles. » Autrement dit, parlez de moi aussi souvent que possible. Plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Il nous a exhorté à lui adresser des salutations. Il a dit quelque part « Ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. » Le messager de Dieu dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Personne parmi vous, après ma mort, ne m'adressera une salutation sans que Dieu ne me rende mon âme jusqu'à ce que je lui réponde à la salutation qu'il m'a adressée. » Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que quiconque, homme ou djinn, ange ou animal, qui va dire au messager de Dieu, paix sur vous, le messager de Dieu, à la seconde où on le lui dit, il répond à la salutation de celui qui lui salue. Ceci contraste et contredit quoi? Cette conception sunnite selon laquelle le messager de Dieu est inconscient après son décès. Et si on élargit un peu ce hadith, regardons les 5 prières quotidiennes. Chaque prière, excepté la prière de l'aube, a 2 tahiyyat, a 2 tashahhud. La prière de l'aube n'en a qu'une seule. Et dans chaque tahiyyat, qu'est-ce qu'on dit? On dit « Assalamu alayka, ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. » Ce passage de salut final, là on dit « Assalamu alayka, ayyuhan nabi », on dit « Paix sur toi, ô toi le messager de Dieu ». On ne dit pas « Assalamu alayhi », on ne parle pas du messager de Dieu comme s'il était à la troisième personne du singulier. Le prophète dit, quand vous priez, dans vos prières, saluez-moi de manière directe, comme si j'étais assis en face de vous. Imagine dans la ville où tu es, vous êtes comme un musulman. Si à chaque fois qu'un musulman prie dans votre quartier,
dans la mosquée, dans sa maison, à l'école, au bureau, chaque fois qu'il priait Assalamu alayka ayyuhan nabi, le message de Dieu va lui dire alayka salam. Imaginez, élargissez ça dans votre pays, imaginez dans votre continent, imaginez sur toute la planète, nous avons 1 milliard et 500 millions, voire plus de musulmans, et peut-être la moitié de ces gens l'avons prié. Disons, chaque jour, 1 milliard de personnes vont adresser leur salutation au messager de Dieu, et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, va répondre à chacun d'entre ces gens-là de manière individuelle. Alors, à quel moment restera-t-il inconscient? Sachant que les 5 prières sont effectuées de manière ininterrompue. Quand il est 5h du matin dans un pays, à la même heure, il est 14h quelque part, 17h quelque part, 19h quelque part et 20h dans un autre pays. Autrement dit qu'à chaque seconde, les musulmans prient. Et à chaque prière, les musulmans prient sur le prophète et lui adressent leur salutation 2 fois dans leur prière. C'est pour dire que le messager de Dieu est bel et bien conscient et qu'il n'a pas une seule seconde sur la terre durant laquelle il reste inconscient. Maintenant qu'on sait qu'il y a un lien entre nous et lui, car sa salutation est une liaison, on le salue et il nous répond. La question qui se pose en deuxième étape est de savoir est-ce qu'on peut tirer un quelconque avantage du messager de Dieu, de sa place chez Dieu et de son rôle de guide après qu'il soit décédé. Autrement dit, peut-on dire au messager de Dieu, aide-nous? Peut-on dire au messager de Dieu, fais ceci pour nous après qu'il soit décédé? Chez les chiites et chez les soufites, les tijanites, il n'y a aucun problème. Mais chez les sunnites et wahhabites, il y a un autre problème. Malgré que dans leur propre livre, il y a des thèses officielles et des hadiths authentiques qui disent que oui, bel et bien, on peut non seulement collaborer avec le messager de Dieu après son décès, mais aussi on peut tirer profit de sa grâce et de sa miséricorde auprès de Dieu. La première preuve nous vient du Saint-Coran de manière directe. Le verset dans lequel Dieu dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim »« Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uk » فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Ce verset dans lequel Dieu dit au messager de Dieu, dis à ta communauté qu'à chaque fois que l'un d'entre eux se fait du tort à lui-même, s'il vient passer par toi, ô Muhammad, et que toi tu l'accompagnes chez Dieu pour que lui il implore Dieu et que toi tu implores Dieu pour lui, il aurait trouvé que moi Dieu, je suis très reconnaissant et je suis très pardonneur. De façon simple, Dieu dit au prophète, dis à ta communauté, à tes fidèles, qu'à chaque fois qu'ils se font du tort à eux-mêmes et qu'ils sont en difficulté, qu'ils passent par toi et que tu les accompagnes chez moi. Quand tu les accompagnes chez moi et que vous tous implorez Dieu, vous verrez que je vais exaucer leurs besoins et leurs invocations. Ce verset, quelqu'un peut dire non, ça c'est quand le prophète était vivant, les gens venaient chez lui se plaindre et puis le prophète les aidait pour qu'ils puissent partir et invoquer Dieu pour que Dieu exauce leur invocation. Disons que non. Ibn Kathir, qui est l'un des chefs et principaux leaders du monde sunnite, dans son livre qui s'appelle Tafsir Ibn Kathir, qui est aussi n'est plus à présenter, il dit ceci. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو ناصر ابن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبة قال ابن كثير prend une position et dans cette position il précise au début que il y avait un autre cheikh qui est populaire qui a parmi un groupe de savants sunnites qui sont des hommes pesants et dont la voix passe ont raconté une histoire qui est très populaire et qui est rapporté par un compagnon qui s'appelle Utba. Ce compagnon, qu'est-ce qu'il raconte? قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء عربي فقال. Utba dit quand j'étais assis sur la tombe du messager de Dieu, j'étais en train de visiter le messager de Dieu, je parlais avec lui. Un homme, un bédouin venant des villages lointains de Médine, s'est approché et s'est assis près de moi. Et il a commencé à parler. Il dit quoi? Assalamu alayka ya Rasulallah. Automatiquement, il adresse un salut au messager de Dieu en étant face à la tombe du messager de Dieu. Autrement dit, il avait compris que le messager de Dieu allait répondre à sa salutation et donc s'intéresser à sa requête. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Sami'atu Allah yaqul walau annahum idhlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaban rahima.
Ce villageois, ce bédouin dit au messager de Dieu, il parle à la tombe, hein, il dit, moi, j'ai entendu que Dieu dans le Saint-Coran a dit, à chaque fois que nous avons des problèmes, que nous passons par toi afin que tu puisses implorer Dieu pour nous et Dieu va accepter notre pardonner nos péchés. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي. Il dit donc, en respectant ce verset, je suis venu près de ta tombe, comme tu es décédé, je sais que tu es là. Je suis venu chez toi en implorant Dieu de me pardonner et en te demandant à toi de m'accompagner chez Dieu pour que tu intercèdes en ma faveur chez Dieu. Il dit, je suis venu envers toi en demandant pardon pour mes péchés. Il dit quoi? En te demandant toi, Muhammad, d'être mon avocat, mon intercesseur auprès de mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a commencé à faire des poèmes pour vanter le messager de Dieu. Et Utba, le compagnon qui était assis, qui raconte l'histoire, dit Thumman Saraf. Et le Souman Saraf al-Arabi, le bédouin, après avoir fini de parler, il se leva et il partit. Le compagnon qui était assis, qu'est-ce qu'il dit? Faghalabatni ayni. Une fois que le bédouin s'est levé, automatiquement un petit sommeil s'est abattu sur moi. Et durant ce court sommeil, j'ai vu qui? Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ya Utba, ô toi Utba, ilhaq al-Arabi. Va vite et rattrape ce bédouin. Fabashirhu bi anna Allah qad ghafara lahu dhanba. Et annonce-lui que Dieu a effectivement et complètement effacé et pardonné la totalité de ses péchés. Subhanallah. Cela est rapporté dans un livre qui s'appelle Tafsir ibn Kathir, un livre sunnite. Et il dit que c'est pas lui seul qui le dit, il dit que c'est un groupe de savants sunnites qui ont eu consensus que cette histoire est réelle et qu'elle s'est belle et bien passée. Autrement dit, un compagnon est venu et il a pu bénéficier du messager de Dieu alors qu'il était décédé. Il a pu parler avec lui à sa tombe et ce qu'il était venu chercher, Dieu lui a donné cela. Ceux qui viendront vous enseigner qu'il n'y a plus aucun contact entre le musulman et son messager et le messager de Dieu après le décès du messager de Dieu, il vous trompe et il essaie de tromper tout le monde. Un musulman qui vit un jour total sans penser au messager de Dieu est un musulman qui s'est lésé lui-même. Le messager nous avait dit une chose, aucune personne n'entrera au paradis par la seule, disons, force de ses efforts. Ni les prières, ni les jeûnes, ni les pèlerinages, ni les zakats que nous faisons, nous nous ferons mériter le paradis de Dieu. Le prophète a dit quoi? Il dit, illa, excepté que Dieu nous couvre par sa miséricorde. Seule la miséricorde de Dieu peut nous accompagner et nous aider à accéder au paradis de Dieu. C'est quoi la miséricorde de Dieu? Le Saint-Coran dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Dieu dans le Saint-Coran il dit de façon claire « Ô Mohammed, nous ne t'avons envoyé que comme étant la miséricorde pour tout l'univers. » Autrement dit, cette miséricorde, pour qu'elle puisse nous atteindre, c'est qui? C'est le messager de Dieu. Comment pouvons-nous vivre en utilisant le prophète Mohammed comme étant un simple sac usé et vieux ou qu'on oublie et qu'on pense qu'on pourra nous-mêmes pédaler en mettant de côté la clé qui va nous ouvrir la miséricorde de Dieu, en ignorant, en oubliant et en banalisant qui le rôle et la place du messager de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il nous a dit « Ne me considérez pas après ma mort comme un sac suspendu » Il a dit, mettez-moi au début de vos conversations, mettez-moi au milieu de vos conversations et mettez-moi à la fin de vos conversations. Autrement dit, parlez de moi à chaque fois que deux musulmans se rencontrent, trois musulmans, une assemblée, ne vous séparez jamais sans mentionner le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que les chiites ont eu cette habitude qu'à chaque fois qu'ils commencent leur parole, ils disent sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ils disent Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Si c'est dans une conférence, à chaque fois que le conférencier dit des choses importantes, quelqu'un dit purifiez et parfumez vos bouches en priant sur Muhammad et sur le prophète et sur la famille de Muhammad. Et toute l'assemblée dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Le prophète a dit le pire des avares est celui qui va entendre mentionner mon nom sans prier sur moi.
Quand tu entends Mohammed, quelqu'un dire Mohammed à la radio, à la télé, dans le journal, partout, même dans les conférences, dès qu'on dit Mohammed, arrête tout ce que tu as à faire et dis sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète qui l'a dit. Même si tu es en train de faire les prières obligatoires, la prière de l'aube de 14h, 17h, etc., quand tu entends quelqu'un dire Mohammed à côté, tu arrêtes ta lecture de la Fatiha ou bien des tasbih et tu dis sallallahu alayhi wa sallam avant de continuer la prière. Car cette prière que tu fais, elle ne sera acceptée et elle ne sera utile à toi que quand le prophète va être ton avocat le jour de la résurrection. N'oublions pas cette connexion. En nous déconnectant du messager de Dieu, nous serons forcément connectés à autre chose et que Dieu nous en protège d'être connectés à Shaitan en pensant être sur la bonne voie. Le messager de Dieu doit nous accompagner durant toutes nos journées, durant toute notre vie. Ne l'oublions jamais. Pensons à lui. Parlons de lui à nos enfants. Qu'est-ce que le prophète a dit dans un hadith? Il a dit « Addibou awladakum bi thalathin ». Il a dit « À vous les pères, à vous la société, élevez tous les jeunes, élevez tous vos enfants par trois choses. « Hubbu nabiyikum, hubbu ahli bayti, wa tilawat al-Qur'an ». Il a dit, si vous voulez élever vos enfants de la meilleure façon, élevez-les par l'amour de leur prophète. Faites-leur savoir qui est leur prophète et faites qu'ils aiment leur prophète. Et faites qu'ils aiment la famille du prophète. Et faites qu'ils aiment la lecture du Saint-Coran. Car c'est par notre défaut, c'est par le fait que nous avons laissé les cœurs de nos enfants vides du messager de Dieu qu'ils cherchent d'autres personnes. Parce que l'enfant a toujours besoin d'un modèle. Quand nous ne lui présentons pas le messager de Dieu, comment va-t-il l'aimer? Il va chercher d'autres personnes qu'il va aimer. Si vous voyez quelqu'un dire « Moi je suis Ronaldo, je suis Messi, je suis Rambo, je suis Commando » par exemple, c'est parce que ce sont ces gens-là qu'il a vu à la télé. Ce sont ces gens-là qui lui servent de modèle. Toi le père, toi le frère, toi le président, toi l'imam. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre le prophète plus valeureux dans la tête de la communauté des enfants, plus important et plus compétent que tout ce qu'ils voient à la télévision aujourd'hui? S'ils grandissent comme ça, quand est-ce vont-ils aimer le message de Dieu alors que d'autres personnes ont précédé le message de Dieu dans leur cœur? Alors, réveillons-nous et reconnectons-nous au message de Dieu. D'abord nous-mêmes, car le prophète a dit, si nous voulons la foi, nous devrons l'aimer plus que nous-mêmes. Et nous savons que, quand la foi n'est pas complète, les œuvres ne sont pas acceptées. Quand tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, mais tu n'aimes pas le message de Dieu ou tu ne l'as pas aimé plus que toi-même, c'est que tes prières ne te seront d'aucune utilité. Autrement dit, ne vous laissez pas tromper par des personnes qui vous disent que le messager de Dieu est déjà décédé. Prenez sa sunna, appliquez-la et oubliez sa personne. Ça ne servira à rien, car le fait de l'aimer est de penser qui était-il, qu'est-ce qu'il faisait, et le ressentir, la façon dont on aime nos parents, le prophète doit être plus cher que nos parents dans notre cœur. La façon dont on aime nos enfants, le prophète doit être encore plus cher. La façon dont on aime notre propre vie, le prophète doit encore être plus cher envers nous que nous-mêmes. Alors à chacun de vous interroger, quelle est la place du messager de Dieu dans votre cœur? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya sami'in sallu sallu ala al-habibi Muhammad.